Bonjour à toutes et à tous, ici Belloum, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plutôt un tout nouveau JDLP, parce que oui, la série qui allie fun et performance, c'est quoi ? JDLP. I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street, under the sun. Déjà 10ème épisode du JDLP, franchement ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter cette série sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus à regarder la série, je vois qu'elle vous plaît, franchement ça me fait extrêmement plaisir de la continuer sur ma chaîne, sur On My Way et sur les chaînes communautaires à qui j'envoie les JDLP. Comme vous le savez, c'est bientôt la rentrée et je pense diminuer la cadence de mes vidéos, enfin surtout des JDLP, à voir avec mon emploi du temps. Mais si vous avez moins de JDLP par la suite, c'est normal, c'est parce que c'est les cours. Mais bon, on va arrêter de parler de ça, on va directement passer aux informations de la semaine, parce que oui, il y a tout le temps des informations dans le JDLP. Vous l'avez sûrement pas raté, l'Apex Clan a fait une pub à la Obscur Clan. What the fuck? Bon, je peux comprendre que Heyman veuille faire une pub à la Obscur Clan, allez, limite ça, je veux bien. Mais un leader qui va payer pour se faire de la pub? Ah non, mais le con quoi! Ah mais je te le fais pas dire, Thierry, Marcel. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Certaines personnes n'ont sûrement pas cru que Julia Gamers pouvait rejoindre la Rage, la Cagoule, etc. Eh bien si, elle a changé son pseudo Skype en Rage Julia. Donc est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a vraiment été contactée, bordel de merde. Mais comme vous savez, Belloum, il a toujours des informations en avance. Ils ont contacté plus de personnes, Toto6900 et Revo, le youtubeur qui fait le gigatacos mes couilles là. Et bah ils l'ont contacté. Et quand je dis ça, je parle pas de l'Apex. Je parle bien de la Know Your Rage, la team qui a 80 000 abonnés et qui fait 1200 vues. Oui, oui. Je vous avais dit aussi qu'ils avaient contacté la PCC, la Play Comedy Club, motherfucker. Malgré le petit suçage de bite, hein, malheureusement, ils vont pas être upload sur la PCC. Pour revenir à quelques informations que j'ai trouvées moi-même, hein, Warnix, fondateur, créateur, tout ce que tu veux de la Vayne Clan, serait retourné dans la Obscure. C'était le mec qui crachait, entre guillemets, sur Furox, qui disait, ouais, j'aime plus trop le putaclic, etc. Et maintenant, il retourne dedans. Mais Warnix, qu'est-ce que tu branles, bordel? Tu m'as dit que t'avais une team à 1200 abonnés, certes, bon, c'est la chaîne de Skiz, qui faisait peut-être 100 vues par vidéo. Bon, il y avait que 3 vidéos, mais c'était déjà ça. Et maintenant, tu fais quoi? Tu retournes dedans. Moi, je te comprends plus, gros. Donc, fais un bon choix, parce que personne ne comprend, là. Après vous avoir dit toutes ces informations, je me dois de vous dire ce qui s'est upload cette semaine avec les uploads de la semaine. Ah, les uploads de la semaine. Ce truc qui me prend littéralement 50 000 ans à faire, mais que tout le monde aime. L'Apex Clan, la semaine dernière, nous a proposé 9 vidéos, ce qui est donc plus que la semaine dernière. Mais s'il y a bien une de leurs vidéos que je vous conseille d'aller voir, c'est la vidéo, donc la toute dernière qui a été upload, où il y a la pub pour la Obscur Clan. Pour ce qui s'agit de la Rage, on a eu 6 vidéos cette semaine pour une team à 80 000 abonnés, faire 1200 vues, bon ça c'est pas trop, donc là les vues commencent à augmenter, c'est quand même mieux pour eux, donc continuez comme ça tout simplement. Chaque semaine, chaque JDLP, je l'ai dit, la On My Way fait beaucoup de vidéos, et comme à chaque JDLP, 11 vidéos cette semaine pour la On My Way, les potes. Pour moi, la On My Way est un bon exemple que la performance n'est pas morte, puisque chaque jour, il y a une vidéo, voire des fois même deux vidéos. Comme quoi, l'activité sur une chaîne YouTube, ça paye. La On My Way a dépassé les plus de 12 000 abonnés, donc franchement, ça me fait super plaisir parce que je suis dans ce projet. Par contre, pour la Obscur Clan, c'est pas pareil, parce qu'il y a de moins en moins d'activités sur leur chaîne. Malgré la pub de la Apex Clan, et ben, ils sont quand même aux 8500 abonnés, et ils ont fait que 4 vidéos cette semaine. J'espère vraiment qu'ils vont augmenter l'upload de leurs vidéos grâce à la reprise. La Onyx Clan, depuis que j'ai commencé les JDLP, et ben ils sont de plus en plus en forme puisqu'ils nous ont proposé 8 vidéos cette semaine. Une reprise lente certes pour la OPFR, mais qui je pense va porter ses fruits à l'avenir, puisque cette semaine ils ont proposé 4 vidéos. Pareil pour la H3ZK Clan qui n'aura pas forcément profité de l'été pour gagner plus d'abonnés. Mais cette semaine, ils nous ont proposé 6 vidéos, donc un retour de la H3ZK Clan j'espère. On passe à la ENDC qui nous a proposé 3 vidéos cette semaine. D'ailleurs, si le leader de la ENDC passe par là, bah, est-ce que c'est habituel de proposer 3 vidéos par semaine, en sachant que beaucoup de teams font une vidéo par jour? Est-ce qu'il y a quelques problèmes, quelques membres qui manquent, etc. Enfin bref, si tu passes par là, et bah, dis-moi tout ça dans les commentaires. La FTW a atteint les 2000 abonnés, bravo à eux, 3 vidéos cette semaine, continuez comme ça. La Dexaclan a proposé 3 vidéos cette semaine, bientôt les 1500 abonnés, je compte sur vous pour aller vous abonner. Et on termine avec la Real Clan qui a fait 4 vidéos cette semaine et qui pour moi a un réel potentiel au niveau de la performance. Franchement, je vous invite vraiment à aller vous abonner, c'est une super chaîne tout simplement. Je terminerai ce JDLP en vous disant merci. Merci à tous de vous abonner de plus en plus sur ma chaîne. On est actuellement à plus de 600 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Les JDLP, c'est un projet que j'ai décidé de lancer qui, j'espère, devait marcher. À l'heure actuelle, ça passe sur une chaîne à plus de 12 000 abonnés comme la On My Way. Ça passe sur certaines chaînes communautaires. Pourquoi pas sur Code QG à l'avenir. Donc merci à tous de vous abonner, de me faire des vues.
de mettre des avis positifs ou négatifs, de marquer des commentaires. En fin de compte, ça me donne de l'expérience en plus. Je vous dis à tous merci. Demain, vous aurez directement un best-of de tous mes JDLP. Vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Je viens justement de commencer YouTube. C'était Belloum. Allez, ciao tout le monde.